L'apnée reste depuis longtemps un mystère. Passer de l'autre côté du miroir semblait impossible jusqu'en 1988 et un certain film de Luc Besson. La génération qui a suivi le film Le Grand Bleu, c'est la génération des Pellizzari, Pipin, hein, deux apnéistes très connus qui jusqu'en 1995 ont défrayé un peu la chronique et qui ont donné la motivation à d'autres apnéistes comme moi-même, comme Loïc Leferme, comme Stéphane Mifsud qui est là aujourd'hui aussi, et plus tard comme des gens comme Guillaume Néry, hein, qui a commencé en 2000-2001, et maintenant plein de nouveaux apnéistes. Donc c'est pas forcément Le Grand Bleu, c'est surtout un amalgame de plusieurs milieux de pratiques différents, avec des façons de pratiquer d'autres façons, donc des gens qui vont à la mer, des gens qui vont en piscine, ceux qui vont surtout à la rencontre des animaux, ceux qui sont surtout orientés vers la performance, ceux qui vont très profond, ceux qui restent très longtemps. Et donc ça a permis à tout le monde de pouvoir à un moment se reconnaître et choisir son type d'apnée. Mais au final, on se retrouve tous ensemble et c'est ça qui fait qu'il y a une émulation qui est très très forte, surtout en France. Cette émulation a attiré plus de 3000 personnes à la piscine de Dunkerque pour vivre le temps d'un après-midi au rythme de ces hommes-poissons. Le club Apnée Aquatir avait souhaité dédier cette compétition à Loïc Leferme. Bah c'est un super hommage, il avait réussi à insuffler à la ville de Dunkerque une espèce d'élan pour l'apnée. Pas évident à la base, vu le positionnement géographique de Dunkerque. Et puis il est né un mouvement avec quelques motivés, organisé, vraiment un événement qui est formidable. Il fait venir des gens de quatre coins de la France. C'est un énorme honneur d'avoir une compétition à son effigie, à son nom ici à Dunkerque. C'est normal en plus parce que c'est sa ville. C'est plus qu'un hommage en fait. Hein. Et c'est vraiment un très très gros plaisir. Et personnellement, j'ai arrêté l'apnée en compétition avec un objectif tout particulier le 11 avril 2007, le jour de sa mort. Et aujourd'hui, j'ai refait ma première apnée statique en compétition. J'en avais plus fait. À son honneur. Et c'était assez sympa, c'était assez émouvant. Voilà. L'émotion était palpable tout au long de la journée, mais plus encore lors de la projection d'images de Loïc. Les épreuves d'apnée statique sont toujours impressionnantes, même si regarder des plongeurs allongés, immobiles, sur l'eau, pourrait sembler sans intérêt. Tous retiennent leur souffle pendant que les athlètes partent pour des voyages intérieurs, 3, 4, 5 minutes et même plus, comme Sandrine Murbach ou Pascal Monin avec 6 minutes 34. En fin de série, Stéphane Mifsud offre au public un véritable show avec une apnée de plus de 7 minutes 30, des performances qui paraissent surnaturelles. L'apnée, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, il faut connaître son corps et savoir comment il fonctionne. Nous, on explique aux gens comment l'organisme fonctionne avec l'oxygène et la manière dont on va gérer au mieux cet oxygène. Donc, savoir en prendre beaucoup pour avoir beaucoup d'air dans le réservoir et après, savoir l'économiser en faisant des mouvements lents et économiques. C'est ce qu'on peut voir sur l'apnée dynamique derrière. Les gens se déplacent d'une manière lente, fluide, un petit peu comme des poissons, pour essayer d'être le plus en harmonie avec l'élément et être le plus économique sous l'eau. Économie, encore un mot important dans cette discipline qui demande des efforts musculaires pour parcourir la plus grande distance avant de remonter à la surface. Dans cette spécialité, Christophe Bruel réalise 169,1 mètres pendant que Georgette Raymond gagne chez les féminines avec 130,8 mètres. Comme pour, je dirais, le rugby, il y a des petits, il y a des grands, il y a des costauds, il y a des petits. Et tout le monde peut être très bon en apnée, voilà, comme en rugby. Donc il n'y a pas de gabarit type. Il faut savoir que quelqu'un qui fait 2 mètres et 100 kilos aura plus une capacité d'oxygène plus importante. Mais par contre, aura besoin d'oxygène plus pour consommer et pour alimenter ce gros moteur qui est cette grosse carcasse. Et bien, une personne plus petite aura moins d'oxygène, mais aura un rapport poids-puissance différent et toujours intéressant.
Si les palmes ou les monopalmes aident à la propulsion, l'épreuve de dynamique sans palme demande une technique de glisse idéale pour réussir à enchaîner les longueurs et effectuer des demi-tours sans consommer son précieux oxygène. Tout est dans la sensation. Globalement, en plongée profonde, les sensations sont plutôt des sensations agréables de bien-être. La sensation de peur, je ne l'ai pas vraiment. Alors, je l'ai eu après le décès de Loïc, le ferme. J'ai eu effectivement des plongées qui ont suivi l'accident, qui ont été un peu délicates, où forcément on pense à ce qui pourrait arriver. Et puis comme c'est arrivé à lui, qui incarnait vraiment la sécurité, ça m'est arrivé. Mais globalement, non, quand on descend, on ne va pas chercher à avoir peur, on ne cherche pas à se faire peur. C'est pas un sport d'adrénaline. Le base jump, la chute libre, tous ces sports un peu extrêmes aussi, on va chercher une dose d'adrénaline. Nous, l'adrénaline, c'est l'opposé. On ne va pas chercher ça, nous. Nous, on va vraiment chercher le côté relaxation et zen. Au fil des épreuves, le public commence à comprendre comment ces athlètes réalisent de tels exploits. Et quand un champion du monde explique son secret, cela paraît même tout simple. Alors le secret de l'apnée en fait, c'est de ne pas du tout vouloir retenir sa ventilation le plus longtemps possible. C'est d'essayer de se découvrir dans le milieu. L'intérêt en fait de la plongée en apnée, c'est d'arriver à un moment à se relâcher. C'est pour ça qu'en mer, c'est beaucoup plus intéressant de commencer la pratique en mer plutôt qu'en piscine, parce que on a des rochers, on a des couleurs, on a des poissons, on a toujours une rencontre qui nous tombe dessus comme ça par hasard, et qui fait qu'en fait, au final, on oublie qu'on est en train de retenir sa ventilation, qu'on a un problème de compensation, que ça fait une minute qu'on est sous l'eau. En piscine, on va plutôt s'orienter plutôt vers le ludique, c'est-à-dire des parcours sous-marins, la notion d'entraînement, de performance, d'aspect technique. Le vrai secret, c'est le relâchement. À partir du moment où on oublie qu'on est en apnée, on va progresser très vite. Et quelle que soit la performance qu'on va réaliser, si on la réalise avec plaisir, on a réussi notre boulot. La dernière épreuve est la plus difficile. Il faut alors parcourir le plus rapidement possible 800 mètres sous l'eau en remontant à la surface pour reprendre sa respiration que tous les 50 mètres. Dans cette compétition, on assiste à un véritable duel opposant Brice Lequette, détenteur du record, et Guillaume Néry. Le rythme de cette course est impitoyable et les autres nageurs tentent de tenir, mais Brice et Guillaume limitent de plus en plus les temps de récupération et longueur après longueur, Guillaume Néry prend son avance. Cette journée d'efforts, de performances et d'émotions s'achève lors de la remise des prix. Une cérémonie au cours de laquelle Brice Lequette reçoit la palme d'or des mains de Marc Leferme, le père de Loïc.